Monsieur le maréchal de la brigade anti-sorcier, le prophète Joël Crasso, nous sommes à cette date aujourd'hui du 16 septembre 2014, pratiquement 9h, ma montre, je reçois le révérend Élie. Voilà, Élie, c'est lui qui a arrangé la prière prophétique. Je précise très bien, vous avez une prière prophétique, c'est Élie qui a arrangé ça. C'est un homme de Dieu, celui qui m'a arrangé le son au niveau de Divo. Voilà. Pour dire qu'à l'intérieur, on peut faire des bonnes choses, on n'a pas forcément besoin d'Abidjan. Voilà, c'est un ingénieur de son et un arrangeur qui a aussi un studio d'enregistrement. Voilà, donc je travaille avec lui et je compte faire des grandes choses avec lui, bien sûr, par la grâce de Dieu. Souvent, on a tendance à penser que c'est Abidjan seulement qui a des bonnes choses, mais si à l'intérieur, il y a des bonnes choses, c'est un homme de Dieu qui a aussi, qui est talentueux, il a vraiment des grands talents en lui. Et donc, j'ai décidé de travailler avec lui. Nous avons acte 1. Prière prophétique à 1, celui qui l'a rangé. Nous avons acte 2, au fur et à mesure, acte 2 et tout ça, puisque déjà il voit déjà l'esprit dans la vision. Donc je préfère travailler avec les hommes de vision. Donc j'ai démarré avec lui et je pense qu'on aura beaucoup de choses à faire ensemble. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Oh, juste, tu es fort. Ah, c'est Jésus qui est fort. C'est Jésus qui est fort. Hein. C'est Jésus qui est fort. Ouais. Voilà. Shalom. Voilà, voici un peu le centre. Hein. Voici le centre de prière. Fenuel. Voilà, voici le centre de prière Peniel, tous les garages. Voici ma secrétaire, voici tout le personnel. Hey, c'est pas toi là. Voici le seul qui me reste. Les autres sont pas du haut. Mon chauffeur, c'est Koulbali. Voici la terrasse du centre de Peniel. Voici la pancarte. Voilà, nous sommes ici à Divo, le quartier Plateau, Divo quartier Plateau, juste derrière la CNPS, Carrefour député. C'est ça, non? Carrefour député, vous avez Carrefour député, juste derrière la CNPS, vous avez, c'est le dernier bâtiment. Voilà, la dernière maison. Voilà, la dernière maison d'ailleurs. Voilà, la dernière maison. Voilà, vous avez. Voici la vue ici. Ça, c'est Grémian, carrément. En allant à Gagnon. Moi, ici, un peu le centre de Peniel. Ici, c'est un centre de retraite. Nos activités démarrent à Zaroko tous les week-ends, c'est-à-dire à partir de jeudi. Nous avons jeudi, vendredi, samedi, dimanche, nos activités de délivrance, de restauration, de guérison, ça c'est à Zaroko. Ici c'est un centre de retraite. Pour ceux de la diaspora qui aimeraient nous rendre visite, comme déjà l'a fait le frère Patrice à qui j'ai dit shalom, qui est allé en Allemagne, on a eu la soeur Barbara qui est arrivée de Paris, on a eu pas mal de personnes qui sont arrivées de Londres, de Paris et tout ça, qui ont séjourné ici, et vous venez pour un séjour, il n'y a pas de souci. Vous avez la nourriture ici, vous avez l'hébergement ici, et tout ça. Donc vous avez le, on a le temps de s'occuper de vous. Voilà, donc voici le centre de prière, venez. Ça c'est la cour, elle est vraiment très vaste. Voilà, donc voici un peu, nous sommes en train d'aménager, voici un peu le salon, voici un peu le logement. Voilà, ils ont mis le dortoir. Sœur, viens. Il y a la lumière. Dortoir, sœur. Et dortoir ici. Excusez, ils vont faire le ménage. Voici le logement. Pratiquement, voici le logement, la maison. Nous sommes en train d'aménager. Ça fait maintenant 3 semaines que nous sommes là, par la grâce de Dieu. Donc, voici un peu l'intérieur. Il y a les lits et tout ça. Ici, il va servir de bibliothèque. J'ai déjà passé la commande des livres. Qui vont bientôt arriver. Il y aura les bibliothèques ici. Nous aurons ici l'écran, un écran placement qui va depuis mon bureau jusqu'à ici pour l'espoir pour toutes les vidéos et tout ça. Voilà, donc très bientôt. Voilà, donc ici la bibliothèque, ceux qui veulent lire et tout ça. La salle ici, c'est une salle de prière. Après cette salle de prière, nous avons les différentes étapes. Ici, et ici est déterminé comme Jesmané. Ici est pris comme Jesmané. Les gens viennent ici, Jesmané.
le temps de parler, prier, parler, parler, parler. Après, ici, on verse de l'huile. Une onction d'huile pour briser toute forme d'alliance, pour briser l'alliance, les pactes, tout ça. Et après ça, il y a ce qu'on appelle ici l'étape de... une étape très importante ici, le mur ici de la maturation. Voilà, le mur de la maturation, où les gens prennent le temps de présenter leur vœu à Dieu. Ils prennent le temps de présenter leur vœu à Dieu. Et juste après ça, ils auront une autre action, l'explosion des bouteilles. C'est une action prophétique. Si vous avez un ministère de prophète, ce qui caractérise le prophète, ce sont les actions prophétiques. Donc voici un peu le ministère. Le ministère est basé ici dans la région de l'Ordubois, c'est-à-dire le département de Divo. Ça, c'est l'administration, le service de communication, l'hébergement de certaines personnes et tout ça. Et en même temps, nous avons notre base à Zaroko. Zaroko qui est dans la sous-préfecture de Iré. Et quand, dès que vous êtes à Divo, vous rendrez à la gare le quartier qu'on appelle Conakro, c'est ça, là? Conakro. Conakro, vous demandez les véhicules qui vont sur Iré. Étant Iré, vous demandez les véhicules de Zaroko. Dès que vous descendez à Zaroko, vous demandez le centre de prière, de guérison de Zaroko. Il n'y a pas de problème. Donc ici, c'est un centre de retraite, de prière. Donc voici un peu, le centre de prière plénière. Nous avons aussi besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide. Nous venons à peine d'ouvrir ce centre qui est en administration. Nous avons besoin d'équipements tels que les écrans passement, tels que les ordinateurs. Nous avons besoin des ordinateurs, nous avons besoin encore des matelas. Merci pour Augustin depuis Paris qui veut nous envoyer des ordinateurs. Nous avons besoin d'ordinateurs. Nous avons aussi besoin des véhicules. La dernière fois, nous avons eu des problèmes de véhicules parce que ceux d'ici devaient partir à la veillée au niveau de Zaroko. Il y a eu ce problème-là. Nous avons aussi besoin des mini-cars. Mini-cars pour permettre aux gens le déplacement des gens. Vraiment, c'est un ministère qui a besoin de soutien, d'être soutenu parce que nous sommes des hommes de terrain. Nous annonçons l'évangile de Jésus-Christ et nous délivrons les gens. Les gens de la sorcellerie et tout ça. Nous avons vraiment besoin de votre aide. Shalom et que Dieu vous bénisse.